Ah, il va où? Madame la commissaire, c'est le Conseil général. Donc, je prends acte du fait que vous ne voulez pas embarquer mon compatriote sans qu'aucune raison ne lui ait été signifiée. Non, non, mais madame, je vous parle. Madame la commissaire, je vous parle. Non, non, mais je vous parle. Alors, je voudrais que vous me confirmiez que mon compatriote n'a pas le droit d'embarquer, alors même que rien, aucune raison n'a été signifiée. Est-ce qu'on lui reproche quelque chose? Est-ce qu'une plainte a été déposée contre lui? Est-ce qu'il a commis un délit, un crime? Quelle est la raison? Moi, je souhaiterais qu'on signifie à l'intéressé d'abord et à moi ensuite. Non, mais d'accord, mais donc je vous fais constater simplement qu'on ne peut pas embarquer mon compatriote pour aucune raison. Nous avons accompagné M. Wanko avec un dispositif de sécurité du consulat parce que il a été victime hier soir d'une tentative d'enlèvement qui a été déjouée par l'officier de police français qui l'accompagnait et dans le hall même de l'aérogare, alors même que, comme vous pouvez le constater, l'entrée de l'aérogare est une zone contrôlée et qui n'est réservée qu'aux voyageurs. Il y a donc eu, là, je laisse juge, des failles qu'il y a pu avoir dans le dispositif de sécurité. Et notre compatriote, qui est donc soumis à cette menace, est sous la protection du consulat général et il est hébergé dans l'enceinte du consulat général jusqu'à ce que nous puissions obtenir qu'il puisse quitter le territoire.